Et yo tout le monde, c'est Chou. Une nouvelle vidéo que je fais en prévision de l'almanach du 1er mars sur l'économie d'ingrédients, il me semble. Donc aujourd'hui, on est le 27, on est lundi, donc c'est dans 2 jours. Pourquoi je fais une vidéo là-dessus? Tout d'abord, alors je vais vous montrer les métiers. Moi, à terme, j'aimerais bien avoir tous mes métiers niveau 200. Donc j'ai tailleur 164, bijoux 158 et cordeau 153. Je voulais me faire pas mal de kamas, avec Mehdi, bien entendu, qui est mon co-teamer. Et je me demandais comment lier l'utile à l'agréable, si je peux employer ce terme. Et donc, je voulais monter les métiers. J'ai vu qu'il y avait une économie d'ingrédients le 1er mars, et donc je me suis lancé dans, je me suis lancé là-dedans. Donc j'ai répertorié toutes les recettes qu'il me fallait pour Hub 200 sur chaque métier de craft, tailleur, bijoux, cordonnier seulement. Donc j'avais fait un Excel qui est ici. Je sais pas si c'est très visible pour vous. 2 secondes. Hop. Voilà. Alors, je vais passer brièvement, hein. Je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a, mais pour vous donner une idée, il y a 324 lignes, je crois. Alors attendez, c'est bien ça. Ah non, 325. Ah oui, non, 324 parce que au-dessus j'ai une ligne useless. Donc 324 lignes de diverses ressources, des biens chiantes, dans les chiantes, il y a les pots de skunk, il m'en fallait 23. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Tous les galets. Ah ouais, les jus de poisson méphitiques. Au final, j'en voulais qu'un et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, j'en ai deux. Les galets, c'était une horreur. Il en fallait mais des milliers, quoi. 55 galets à cajou, 63 brasilans, 84 rutilants, 58 boucanés, c'est énorme, quoi. Et voilà. Donc on a tout réuni avec Mehdi. C'est lui qui a droppé en grosse partie et c'est grâce à lui surtout, dans le sens où Mehdi venait pas de Milèze à la base. Maintenant on est sur Silhouette, mais on s'est rencontré sur Milèze, il venait d'Automail. Et un jour, en allant farfouiller un petit peu, je me suis connecté sur Automail et sa banque valait 400 millions, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai pris ma liste, j'ai regardé tout ce dont j'avais besoin Et puis j'ai vendu le reste, en fait, on l'a transformé en pépite si ça vous intéresse, voilà. Et on a acheté des poissons rares aussi, j'ai acheté des poissons rares sur le serveur auto qui était grave cher sur Silhouette et qui coûtait que dalle sur Automail. Donc j'en ai profité, ce qui m'a servi dans le jus de poisson méphitique. Alors, donc la banque, 324 kama, donc j'ai bien rempli le truc. Il y en a pour 111 millions d'estimations. Je pense pas... Une rune Gapa, on a besoin pour... Ah oui, je dois en avoir besoin pour la coiffetinerie. Je pense pas qu'il y en ait pour si peu. Déjà dans le sens où on va craft 2 voiles. Je voulais craft 1 voile. Et donc on a acheté les poissons rares, en fait. Et je me suis rendu compte que mi-février, je crois, ou peut-être fin janvier, enfin bref, il y avait un almanach où les pêcheurs, enfin les poissonniers, avaient 25% de craft un second objet lorsqu'ils craftaient un item, en fait. Donc comme j'avais réuni les poissons rares, j'ai fait ce jour-là et j'ai économisé suffisamment pour je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais bon, j'en ai deux, hein. Sachant que le prix est indisponible, donc ça se vend pas, enfin il y en a aucun en HDV, et il me semble que j'ai économisé le pestilentiel, l'asphyxiant et le pestilentiel, je pense, et le jus de poisson abominable, il me manquait très peu de trucs pour le recraft, donc j'en ai eu pour 600 000 kama, un truc comme ça, recraft le jus de poisson méphitique. C'est risible, hein. Je vais crafter 2 voiles avec quand même, donc c'est plutôt sympa. Donc je vais vous montrer un peu les recettes possibles. Il y en a un paquet, hein. 179 recettes, c'est pas dégueulasse. Après je vais pas m'attarder là-dessus. Là c'est juste l'intro que je fais deux jours avant le jour J. Je vous mettrai pas, même en accéléré ce serait beaucoup trop long, je pense que je vous mettrai pas le moment où je craft. Je pense que je reprendrai la vidéo pour vous montrer à peu près tout ce que j'ai économisé. Ça peut être intéressant sur 178 items là, 179. Bon, je pense pas que j'en ai autant à craft, mais environ 130-140 items à craft, il y a moyen d'économiser pas mal.
J'espère surtout économiser sur les voiles. Ça serait putain d'intéressant que j'ai deux voiles, donc j'ai déjà. Enfin, de base, je partais sur un voile. J'en ai deux à craft, donc j'ai deux fois plus de chances d'économiser un jus de poisson. Ça serait génial que je puisse en recrafter encore un de voile. Donc, on va prier, hein. Il y a que ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'items. J'ai pas fait en fonction du prix de craft. J'ai fait surtout en fonction des runes intéressantes en fait sur chaque item. Parce qu'il y a des items qu'on va vendre, hein, vendre des items THL forcément qu'on va vendre. En revanche, il y a d'autres items qu'on va concasser parce que c'est pas forcément rentable. Je vous ai montré tout à l'heure, voilà, bijoux 158, 153 et 164. 164, coiffetinerie, voilà, là c'est purement pour concasser, hein. Je peux rien en faire, voilà. cordonnier, je vais up avec, je sais même plus avec quoi je vais up, mais bon. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a des choses qu'on va vendre. Et beaucoup d'autres qu'on va concasser. Donc on va se refaire un petit stock de runes, ce qui me semble qu'il est bientôt terminé le nôtre. Et puis voilà. Donc ça fait un peu de recettes quand même, hein. Hop hop, ouais, ça fait pas mal quand même, hein. On voit des trucs que je peux craft en plusieurs exemplaires là, trois captivantes, trois bagues de lobzy. c'est marrant, ceinture de Ben Luripad 2. Donc voilà, donc je vous sortirai cette vidéo probablement jeudi, je pense, parce que ouais, mercredi ça va faire just, je commence le boulot mercredi en plus, donc ce sera sûrement jeudi. Voilà. Bah, on se retrouve plus tard pour ce que j'aurai économisé. En eux, alors ça y est, j'ai fini de tout crafter. Donc on va voir ce que j'ai récupéré d'intéressant. Donc en termes d'items, hein, voilà, 237 millions d'estimation, c'est pas mal du tout. Je suis vachement content, j'ai mes métiers qui sont niveau 200, cordeau, bijoux et tailleur. C'est la jouissance vraiment, hein, parce que je vais pouvoir enfin craft comme je veux, pas besoin de faire appel à qui que ce soit. Rien que ça, c'est cool, je gagne en pod. Est-ce que je gagne beaucoup de pod? Ouais, j'ai pas gagné beaucoup, beaucoup de pod, mais bon, c'est toujours rentable. Donc voilà, en termes d'items, hein, je vais pas m'attarder dessus, je vais faire vite fait par prix moyen, mais voilà, donc deux voiles, comme convenu, la ceinture du bretteur céleste, je m'attendais pas à ce qu'elle vaille aussi cher, bon après ça reste que de l'estimation, mais voilà, et puis bon, bah le reste, hein, c'est du classique, on destine pas mal de trucs au concassage, parce que voilà, ça va nous faire des runes qu'on peut vendre beaucoup plus facilement qu'un item. Voilà, le voile, les voiles. D'ailleurs, je vais en recraft un. On va voir ça tout de suite après. Je vais en garder un pour la team que je vais FM. Bon, j'aime bien entendu. Et les deux autres, du coup, on va les vendre. Alors, pourquoi deux voiles? Alors, trier par prix moyen. Donc voilà, hein, j'ai économisé pas mal de trucs, mais j'ai économisé le fameux jus de poisson du voile. C'est putain de génial. Franchement, je suis refait. Donc je vais le craft avec vous, hein, en direct. Et pourquoi pas en craft un quatrième, on sait pas. Bon, ça serait un peu abusé, mais voilà. Donc 23 millions 9, ouais, 24 millions d'économisés. En ressources, c'est pas dégueu. Bon, j'ai dépensé 6 millions quand même, hein. Il me manquait des ressources par-ci par-là. J'ai pas compris alors que j'avais tout check. Mais je me suis peut-être foiré sur certaines recettes à certains moments. Pour up d'un level, j'avais trois recettes qui étaient identiques, enfin qui étaient trois recettes qui pouvaient me faire up. Donc je me suis peut-être foiré là-dedans. Après bon, 6 millions, franchement 6 millions de dépensés, enfin voilà, juste avec les voiles, c'est largement largement rentabilisé. Donc recette possible. On va voir ce que je peux bon là, il y a rien. Ah, un ingrédient, je pourrais faire une capreski. Je pense pas que ce soit forcément utile. Une ceinture ogivole, c'est toujours cool aussi, mais on va faire le voile en prio et après on verra ce qu'on peut faire de plus. Alors, jus de poisson. Recette associée. Donc, pour le fameux voile. Alors, des ventouses cralamour. Il m'en faut. Ah oui, je suis dans le jus de poisson, merde. Il m'en faut 7. Hop. PK, tu fais ça. Voilà. 7. Ensuite, encre du crâne, c'est bon. Les talons d'Achille de la brasse sombre. Il m'en faut 13. Bon, je vais redépenser un peu de sous, mais je pense que
Je pense que c'est justifié. Ça, il m'en faut 8. Bave de Cascargot. Il m'en faut 21. Donc on va voir à combien me revient de cra... enfin me revient le troisième voile à craft, mais je pense que c'est risible, hein, vraiment. franchement, c'est vraiment pas les ressources qui coûtent le plus cher. Un peu peut-être les étoffes de roi 5, mais je m'en fous. Genre quoi qu'il arrive, je m'en fous parce que c'est plus que rentable, quoi. Merde. Cascargot, 21. Ah, génial. Faut que j'en achète 30, j'ai que ça à faire. Hop. Roi 5. Il m'en faut 8. Ouais, bon allez. Hop. C'était grave plus rentable de l'acheter par 10 en plus, hein. Talon d'Achille, je suis pas sûr que ce soit dans cet HDV, mais Ah si, c'est ici. Il m'en faut 13. Oh putain! Bon. Quand même, mais ça sera rentabilisé, je m'en fous. Je sais que ce sera rentabilisé, donc Et les ventouses Krala. Ventouse du Kralamour, il m'en faut 7. Ouais, c'est plus rentable d'acheter comme ça. Hop. Alors, on va aller crafter le dernier voile. Enfin, normalement le dernier. Si j'économise encore un jus de poisson, je vais être vraiment, vraiment content. Hop. Je peux faire une capre, hein, c'est marrant ça. Hop. Nickel. Alors, est-ce que j'ai un jus de poisson? Ah, faut fermer là, il me semble, mais je suis pas sûr. Oh, mon Dieu! Oh, attendez! Bon, ben on va refaire un voile. Oh, c'est énorme! C'est énorme, putain! Ventouse, il m'en faut 6! Ah, bah là, je suis refait. Les talons, je m'en fous de les payer la peau des couilles, franchement. 16. Qu'est-ce qu'il me dit, Fir? Ah, c'est énorme, énorme, vraiment là. Roi 5. J'en ai eu 6, il m'en faut 31, encore 22, 4, 25. 25 et les baves du Cascargot. Oh là 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 là. J'en ai combien? J'en ai 15 et il m'en faut 41. Du coup, ça m'en fait 26. Oui, ça doit être ça. 26. Hop. Merde. Putain. Oh, c'est énorme. Franchement, c'est énorme ce qui se passe. Ah. En plus, Mehdi est pas connecté, il attend de voir la vidéo, je pense qu'il va se taper une bonne grosse barre. Oui, parce que Mehdi, c'est quand même mon co-team, c'est lui qui a droppé en grosse grosse partie les ressources. Voilà, c'est... Il m'en faut 26. Ah merde, hop. Roi 5, en espérant que l'HDV tombe pas en rade, ce serait con. Oh merde, il m'en faut 25. Ouais, alors, on va voir déjà pour les talons. Il m'en faut combien? 16. Ah. 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, ça va. Les étoffes roi 5, par contre. Je vous fais une ellipse. C'est bon, je les ai trouvés grâce à un pote de, enfin un mec de l'Alliance, j'en avais un peu en banque sur le yop de Mehdi. Donc je vais pouvoir aller recraft un quatrième voile. C'est beau quand même, hein. Putain, je me trompe à chaque fois. Hop, ça, well. Atelier tailleur. Putain, 4 voiles quand même les mecs. On va pas se mentir, c'est vraiment la rentabilité. Hop. Si je rééconomise un jus là, en vrai je vais être un peu dégoûté. Dans le sens où j'ai pas de.
Non, genre... Oh, c'est une blague! Oh my god! Bah ouais, mais là j'ai plus de quoi le... Enfin, genre j'ai vraiment plus de quoi le... J'ai vraiment plus de quoi craft là. Il y a plus de... Merde. Catégorie. J'en ai que 5. Je peux pas en fait. Genre vraiment pas quoi. Oh non! C'est dur! Je sais... En vrai, je me tâte quand même, putain. Ce serait énorme, quoi. J'ai 4 voiles, je peux refaire un 5e. Sans déconner. Bon, déjà... Je vais le dire à midi. bon. Ben, en vrai... Je me tâte à en refaire. y en a vraiment plus du tout de l'étoffe roi 5 en plus. Parce que bon. Ouais, non, il n'y en a plus du tout quoi. Il n'y en a plus du tout et il m'en faut... Ta-ta-ta. 2 secondes. Il m'en faut... Où est le voile? Tout en bas, bien sûr. 31. 31 et j'en ai 5, ça fait qu'il m'en faut 26, quoi. 26 et j'en ai plus. Il n'y en a plus du tout, quoi. Genre, plus du tout. Je me demande si je vais pas aller les acheter à bon temps, en vrai. Ouais, si je vais faire ça. Bon, bah je vous refais une ellipse les mecs et puis voilà, on va prier. Ça se trouve, genre recraft encore un autre après le cinquième. Bon allez à toutes. Et re, j'ai de nouveau quoi craft le voile. Cinquième voile les mecs, hein. Hop, fusionné. De nouveau un voile. Bon léger, je m'en fous. Je pense que je vais les reprendre vite fait à la FM et je verrai plus tard. Ah, plus de jus de poisson. Bon, tant pis. 5 voiles, les mecs, quand même. C'est magique. Genre, vraiment. C'est beau de ouf. C'est vraiment beau de ouf. Je peux faire du caprin. Ça se vend, ça. Il doit pas se vendre beaucoup. Il y a quoi? Il y a des dommages, des critiques. Oh, bon, allez. Ça se concassera bien. Hop. Je vais la craft quand même. Hop. De toute façon, j'ai tout. Donc, ce serait bête de s'en priver. Fusionner. Hop. Voilà. Alors. On va voir ce que je peux craft pour pas trop trop cher, hein, parce que je viens de faire un peu des folies. J'étais à 20 millions quand j'ai commencé la vidéo, il m'en reste 10, même pas. Donc, je peux faire ça. Alors, duvet du maître Corbeck, il m'en manque combien? Il m'en manque un! Bon, on va en prendre un, voilà. Ah, il y a pas mal de trucs aussi, là. Étoffe Zod, je peux faire une Zotulette, mais il me semble qu'il n'y a pas de PA sur cette amu. Il y a un PO, mais... Pff. Encore que pour l'hérésie, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi ça? Ceinture. Ah ouais, mais ça, c'est les ceintures de classe. Pas intéressant. Pas intéressant du tout. Capuche de la Wassing. Tout ça, c'est des trucs que je trouve pas intéressants, en fait. La Zotulette, why not, en vrai? Parce que si ça coûte pas trop trop cher, il m'en faut 140. On va voir. Ok. Ah, chapeau Lichinelle, j'avais pas vu. Ça, je m'en fous. Alors, Alliance Gutentag aussi. Alors, c'est soit le chapeau Lichinelle, soit l'Alliance Gutentag. Je serais plus chaud pour l'Alliance, le chapeau Lichinelle. Ah, quoi que l'Alliance. Ouais, mais l'Alliance, si le prix est aussi élevé, c'est parce qu'il y a des exos dessus. On va partir sur le chapeau Lichinelle, ouais. Laine de Mao. 32, j'en ai 17. Bah, il m'en faut 1, 15. Il m'en faut 15. 15. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rien de bien intéressant. La Capreski, je suis même pas sûr que ça vaille le coup, y'a. Elle vaut tellement peu de camas en fait qu'elle doit être concassée de ouf. Donc je vais mettre à 2. À 2, je peux faire anneau du professeur Xa. Il y a un PM dessus, il y a un PO. Je me dis pourquoi pas en vrai. Oreille de fleureau, omoplate de blérôme. On va regarder, hein. Mais bon, si je peux craft d'autres trucs encore,
Là, il m'en faut 5, 18, il m'en faut 25. Hop. Ok. Omoplate de blérôme. Il m'en faut 15, donc il m'en faut encore 3. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On aura craft masse de trucs. Chapeau lisson, tu sais que ça part pas trop mal ça. Au pire, ça se conque à Sisi, il y a masse de lignes et tout. Franchement, je me dis pourquoi pas. Œil de Dramanite, il m'en faut un, donc c'est rien du tout. Et pâte de Cori. Alors, coriandre, il m'en faut 13, j'en ai 6, il m'en faut 7. Hop. Bon, je pense que ce sera déjà pas mal, je vais voir avec ça. Et puis voilà. Hop, allez. Quoique, je vais peut-être y aller avec le Yop, parce qu'il a plus de Kama que moi. Ouais, mais non. Hop. Parce que c'est moi qui ai le recette. Enfin, les trucs qui me manquent là, c'est pas grave. De toute façon, avec toutes les ventes qu'on va pouvoir faire là, franchement, je suis vraiment, vraiment content. Il aura été rentable de ouf. En plus, j'ai hâte mes métiers. Mine de rien, ça c'est. Hein. Ah bah génial. Bon. Bah, comme ça au moins. Ah, il y en a plus! Ah bah très bien, quoi. Genre. Œil de Dramanite. Il m'en faut un. Hop. Ça, c'est good. Omoplate de blérôme. Il m'en faut 3. Que dalle. 2, 3, hop. Ensuite, oreille de fleureau. Il m'en faut. Oh merde, je vois pas. Ah, bon bah je vais faire laine de Mao. Du coup. laine de Mao Givrefuchs, il m'en faut 15. Que dalle de plus, sans déconner quoi. 1, 2, 3, putain c'est chiant ça, 4 et 5. Ok. Oreille de fleur, il m'en fallait 25. Ah, ça coûte un peu plus ça, mais bon, après, c'est pas horrible je trouve. 1, 2, putain de merde. 3, 4, 5, well. 140 étoffes, zut. Ah, je suis content. Je suis vraiment, vraiment content, quoi. En termes de rentabilité, on est bien de ouf. 1, 2, 3, 4. Et du Veine Maître Corbac, il m'en faut un. Hop. Franchement, quand enfin, je m'attendais vraiment pas à économiser déjà sur le premier voile, enfin, sur les deux premiers voiles, soit dit en passant. Et au final j'ai quand même économisé et donc bah ça nous en fait un troisième et après un quatrième et un cinquième. Franchement je m'y attendais vraiment pas quoi. Enfin on en garde qu'un seul en plus, donc dites-vous que on en garde qu'un seul, ça se vend à plus ou moins 20 millions, on se fait 80 millions quoi. C'est loin d'être dégueulasse hein. Vraiment je suis content de ouf quoi. J'avais quoi d'autre? Je sais que j'avais pas hôtel des ventes, atelier cordonnier. Je suis même pas sûr, en fait, j'ai une zotulette, mais cordonnier, est-ce que j'ai quelque chose? Il me semble que j'ai rien, je suis con. Je vais regarder quand même, mais. Hop. Ouais, non, j'ai rien, je suis con. C'est bijoutier. Hop. Bon, j'espère la vidéo durera pas trop trop longtemps. Ça devrait aller, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pas voulu tout vous filmer quand je craftais et tout ça, déjà parce que bon, j'ai bien fait, j'ai fait des erreurs dans mon tableau, ou enfin ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein. Ah oui, un anneau. Et du coup, déjà rien que ça, aller racheter des trucs et tout ça, ça aurait été plutôt long. Et puis même sans ça, enfin, j'ai monté quand même trois métiers niveau 200, c'est énorme. Donc voilà. Bon, je vais regarder, mais doit plus y avoir grand-chose. Et hop. Alors, ça on s'en fout, à 1. J'ai la ceinture ogivole que je peux refaire avec des yeux, mais est-ce que c'est rentable? Pff, je pense pas, je vais pas le refaire, on vendra au pire, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Alliance Gutentag, que je peux refaire d'ailleurs avec des laines de Mao. Je pense que je vais aller la faire, hein, parce que. Ouais, j'ai presque tout, ce serait con de pas la faire. Il m'en faut 4. Il m'en faut 4, sans déconner. Ok. Ça me fait un peu plus chier par contre, parce que les yeux d'Ouga, il me semble que ça coûte un peu plus cher, et je sais pas combien j'en ai. Je vais regarder, si jamais j'ai suffisamment. Ouais, il m'en faut 5. 5, c'est estimé à 20 000. Bon, allez. Allez, on est fou. Hop. Et qu'est-ce que j'ai encore à 2?
Qu'après ski, j'ai dit non, ceinture ogivale, c'est bon. Les CAG, je ne fais pas. Donc, helvétique, non. Baguette no lag, non. Ça, je me dis, pourquoi pas. Cap de 1-1-1-1. Il y a une invoque dessus. Bon, crâne de yokai, il m'en faut 4. Hop. Il m'en faut 4. Et puis, bah, du coup, il me faut 11 laines de Mao en plus. Hop. 15. Ah, oula. Alliance Gutentag, c'est bon. Capuche souveraine. Ouais, non, ça, c'est mort. Stop du roi Singe coûte trop cher maintenant. Oh, encore que, putain. RO111. Ah, mais ça donne masse sagesse. Ça, on pourrait le garder avec Mehdi en stuff sagesse. Ah, c'est pas con. Bon, allez. Ah, des stops du roi Singe, j'en ai économisé en plus. Bon, après. 5, donc il m'en faut 6. Bon, ça va, c'est acceptable. 6, il me faut de l'or. J'en avais déjà de l'or? Ah, ouais, mais alors attends, ça s'appelle juste or. Oh, 224? Oh, bah c'est bon, il m'en faut 26. Nickel. Alliance Estrale, il me refaut de la... Non, laine de Tengu, mais là, il me refaut de la laine de Mao, en revanche. Je sais pas quoi vous dire, en fait, parce qu'il y a, y a tellement de trucs que je peux recrafter que... Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça fait déjà une très belle vidéo. Hein, voilà, en termes de stuff, 326 millions d'estimés. Magnifique. Franchement, rien à redire. Magnifique. Je suis vraiment très très content. Bon, bah sur ce, je vous dis ciao les gars, et puis à la prochaine.